Aujourd'hui, on va réagir au nouvel épisode qui est sorti juste hier. On va réagir à l'épisode 75. Il dure 3 minutes 51, donc on va arrondir à 3 minutes 30 avec le début et la fin, donc il n'y aura pas grand-chose, je pense. Vendredi, vidéo à 18h. J'espère que vous serez là pour... Elle n'est pas vraiment longue, mais elle sera vraiment très intéressante. En plus, je pense que pour cette vidéo-là, je vais utiliser un nouveau logiciel de montage parce que j'en ai marre de CapCut, parce que tout devient payant dessus. Donc voilà. On va réagir à cet épisode, je vais pas mettre le son trop fort, donc voilà, on va mettre là, et on va tout de suite réagir à cet épisode, qui est beaucoup moins long que les autres, mais bon, ok, bon, voilà. Ok, on est avec le vaisseau mère, franchement j'aime bien quand c'est dans cette ambiance grise, un petit peu brumeuse comme ça change un petit peu du noir, je sais pas, j'aime pas les l'autre ambiance plutôt, franchement ils sont trop cheatés, ça me fait penser grave à Star Wars ça, franchement, dans le sens où il y a un vaisseau, et des vaisseaux qui sortent et tout. Bon, la team cameraman, je trouve que c'est un petit peu toujours la même chose. Les skibitheads sont plus forts et moins c'est les cameraman plus les skibitheads. Je pense que c'est un petit peu redondant, mais bon. La football essaie de faire de son mieux, je pense. Ok, là on a encore un vaisseau. Et là c'est les skibitheads. Ah oui, ok, ouais, c'est vrai, on avait déjà dit ça. Et oui, c'est affreux ça. Ouais. Donc, ouais, j'ai enfin compris ce que les gens voulaient me dire, c'est que les astros et les skibitheads, c'est pas le même groupe. Et le G-Man faisait partie des Astros, mais voilà, j'avais pas compris ça au début. Et je viens de comprendre tout ça, et donc on a le Juggernaut qui arrive vers la team des caméramans. Juste avant, je veux quand même regarder s'il y a des sous-titres ou pas. Ok, je pense pas qu'il y ait grand-chose à voir, vu qu'il n'y a pas de sous-titres. Ok, bon, Juggernaut est super cheaté. Je sais pas si c'est le même Juggernaut. Non, c'est un plus petit, je me trompe. C'est un beaucoup plus petit. Mais ils restent aussi forts. Bon, ils sont... Ok, il y en a plusieurs. Ah non, c'est le même. Il va juste très vite. Non, mais ils sont trop cheatés, les astros. Ok, bon. Cameraman, convoi s'est fait détruire. Et par qui va se faire sauver? Ok, ah oui, moi, c'est les gars, c'est ce que j'avais dit. Hein. Les Skibitheads et la team Cameraman vont faire équipe contre les astros. C'est littéralement, c'est sûr que ça va finir comme ça, les gars. C'est sûr à 100%. L'épisode là lui prouve. Et il jette sa petite bombe. Peut-être. Ok, bon, là il lui a remis un coup. Et il va encore se faire sauver par un Skibidi. Donc c'était sûr que ça allait être comme ça. Maintenant, il faut comprendre, les gars, parce que on sait pas. L'astro il vient d'où. Les Skibidi ils viennent d'où. Je comprends. Oh, c'est un chien. C'est un chien. Lola. Ouais, bon, alors c'est logique si les humains peuvent être transformés en Skibidi, les chiens, etc. Peuvent aussi. Franchement, c'est intéressant, il va bien. C'est des humains, ça. C'est encore des Skibidi. C'est pas toujours facile de comprendre. Hein. C'est pour ça que je suis content que vous soyez là en commentaire. À chaque fois que je me trompe, vous m'aidez. Et là, le Juggernaut, je sais pas ce qu'il a dit. Je vous mettrai la description en bas. Ah ouais, ok, c'est son chien qui est mort. C'est what the fuck. C'est vrai que ça, c'est what the fuck, hein. Bien que la fourgoule me fasse cet épisode. Le Juggernaut qui est fâché. Est-ce qu'on arrive sur la fin de l'épisode? Ok, bon, pas vraiment à 100%. Ok. C'est un épisode assez sympa, franchement. C'est un épisode sympa où on voit que du fight. C'est pas mes épisodes préférés dans le sens où je trouve que c'est des épisodes qui sont assez inutiles. Je préfère des épisodes qui fassent avancer le lore, bien sûr. On a besoin aussi des épisodes comme ça. Mais franchement, je trouve que c'est des épisodes assez inutiles dans le sens où ils racontent rien de spécial. Ils dessinent pas l'épisode. Mais ils racontent pas forcément quelque chose de spécial. Il y a quelques trucs intéressants à voir. Que bah déjà, moi j'avais pas compris ça dès le début. En fait, moi je pensais que les Skibidi et les Astros c'était le même groupe et juste qu'ils étaient séparés.
Ben non, de ce que j'ai dû comprendre, c'est pas ça du tout. C'est que le Astro et l'Exquisite, c'est deux groupes bien distincts, bien différents. Donc là, on voit que, hop, déjà là, on voit que c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est pas inspiré de Star Wars, parce qu'il n'y a pas que Star Wars qui fait ça, mais on a vraiment le vaisseau et avec les petits vaisseaux qui sortent. Franchement, c'est intéressant. Intéressant dans ce sens-là. Et puis, on voit, on dirait que les. Je sais pas, on dirait que les Skibidi, les toilettes, ils sont pas au courant, hein. Regardez, il les attaque pas, aucun des deux s'attaque pour le début. On a l'impression qu'ils sont un petit peu perdus, les Skulltet. Ouais, voilà, c'est vraiment l'impression qu'ils donnent, qu'ils sont perdus. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant non plus, à part que les Skibidi Astro, donc je veux dire, les Astro sera plus simple. Le Astro là, c'est un chien, donc voilà. Franchement, je suis assez perplexe, je sais pas où Dabfboom va aller, parce que faut bien expliquer comment ces deux groupes ont existé, donc. Comment ont été créés les Skibidi? Alors, il commence à l'expliquer, mais franchement, il faudrait qu'il. Je sais pas, je suis pas fan de ce type d'épisode. Là, on nous explique pas grand-chose, à part on nous montre des nouveaux personnages qui, oui, peut-être pour la suite. Mais donc voilà, je vais pas me plaindre non plus. C'est vraiment un épisode sympa, il n'y a pas grand-chose à voir, c'est que du fight. On voit que le Juggernaut est de retour, et on voit que les Skibidi vont s'allier avec les caméramans, donc la team caméraman. C'est quelque chose que j'avais déjà prédit à le dernier épisode. Il n'y a pas grand chose à voir de plus, donc je pense qu'on va se terminer sur ça. Si jamais manqué des éléments, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire. Et je vais essayer de voir ce que Juggernaut a dit et je vous le mettrai dans la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner. J'espère que vous viendrez vendredi pour voir la vidéo. Et